D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout serait bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, petite nouvelle vidéo, on va ouvrir quelques coffres. On va... Alors là, j'ai perdu par contre pour le défi d'hier. J'ai perdu. On a un prochain défi dans 2 jours. On a lancé une guerre de clans. Enfin, j'ai lancé une guerre de clans, mais du coup, tout le monde joue. Enfin, ceux qui sont connectés. Donc j'ai récupéré des cartes, j'ai récupéré 480 cartes. Et donc pour l'instant il y a 20 participants. Et ça serait bien que chacun finisse. Donc là il manque juste 4 personnes qui n'ont pas fini leurs 3 attaques entièrement. Il en manque une ici, il en manque 2, 2, 2 et 2. Donc voilà, pour l'instant on est 20. Bah, s'il y en a d'autres, tant mieux. Hein. S'il y a d'autres personnes, tant mieux. Dans 6 heures ça commence, la guerre de clan. Donc je vous ferai sûrement... demain, une prochaine vidéo sur la guerre de clan. Et je vais donc là, on était 50, donc j'en ai exclu 2. Et je vais en exclure d'autres comme ça si vous voulez venir. Donc vous avez le nom et le hashtag, hein, n'hésitez pas à venir encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos. Mais je vais en profiter là peut-être pour en virer quelques-uns qui sont pas actifs. Mais je crois que la plupart sont actifs en fait maintenant. Enfin, parce que là, les deux que j'ai virés, ça faisait quelques mois qu'ils n'étaient pas connectés. Mais là apparemment, ouais, tout le monde est actif. Bon là, il y a 2 jours par exemple, Alexandre 1, il s'est pas connecté depuis 2 jours. Là aussi, mais sinon le reste, ça fait moins d'un jour, donc c'est pas... Ouais, ben voilà, ben nickel. Hein. Nickel, 9h, moins d'un jour. Nickel, comme ça fait un clan actif, ça change un petit peu parce qu'avant c'est vrai que c'était pas du tout actif. Là, il y en a 4 de connectés. Il y en a 4 de connectés, donc c'est vraiment pas mal. Là on va récupérer 7 petits coffres gratuits, 2 gemmes et ok, 4 cartes, c'est pas mal ça. Donc bientôt un coffre légendaire, enfin bientôt, j'ai encore un petit peu de temps. On va ouvrir le coffre en argent, ok, on va ouvrir le coffre en or, ok, on a eu ça. Je fais un petit coucou YouTube comme ça, s'il y en a qui viennent dans le clan, vous serez au courant que je tourne une vidéo, voilà. 2 contre 2, vas-y, je vais avec lui pour un 2 contre 2. On va essayer de récupérer un... Ah mais c'est un 2 contre 2 dans le clan, bon, non, c'est trop long. C'est trop long. C'est plutôt un 2 contre 2 tout court quoi. Donc là on ouvre le petit coffre puis après on va attaquer. On va partir attaquer là. Déjà ouais celui-là. 2 gemmes. 17 fripons. 44. Oh, je crois que j'allais avoir une légendaire gage de gobelins. Tiens, faut que je l'augmente ça. J'ai plus beaucoup d'or, c'est vrai que j'ai plus beaucoup d'or. Le prochain on l'ouvrira après à l'attaque. J'ai 10 000 d'or, bon ça va mais... Alors on va faire un 2v2, d'ailleurs là je peux ouvrir ça apparemment, ouais. Petit coffre épique. Nickel. Hein. Donc là je monte à 5000 bientôt, ok. Donc là je suis bientôt ouais, à 5000 trophées. Là on va faire un 2v2 avec quelqu'un du clan, comme ça il va venir je pense. Voilà. 2v2 c'est parti. Donc ouais, le défi, je vous ai dit, j'ai perdu à 4 victoires, donc j'ai pas gagné grand chose. Et là, le clan, enfin, la guerre de clan, on va essayer de... Enfin, je vais essayer de vous faire une petite vidéo demain. Mais bon, on verra, hein, ça a l'air bien parti. Ça a l'air plutôt bien parti. Là, par contre, j'espère qu'il y a les flèches. Non, il n'y a pas de flèches. Si l'autre, il met des gargouilles, on est fini. Je vais mettre la princesse, tranquille. J'aurais pas dû mettre la T2... Maintenant, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Oh, à droite, là. Attention, à droite. Aïe, aïe, aïe. On a perdu la tour, là. On a fait un peu de dégâts à droite, mais bon, c'est vrai que là... En plus, c'est au niveau 13, ah ouais. Niveau 13, ça commence à piquer un peu, quoi. Ça commence à piquer un peu, niveau 13. Il y a un peu moins de 1000 points de vie sur la tour de droite. Vas-y si tu veux. Je défends mais... Non, ok. Je crois que j'allais mettre le chevaucheur, mais en fait non, pas du tout. Donc bon. Comme tu le sens. Non, pas ici plutôt. Non, dommage. Parce que là, ça va être chaud. Yes. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Je prépare. Ouais, non, en fait, j'ai dit c'est pas mal, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ouais, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas à droite? Pourquoi pas à droite? Allez, tu es la Valkyrie quand même.
Oh là là, mais il faut défendre. Il a plus d'élixir. Ouais, c'est bon, il a l'élixir, mais bon. Attends, vas-y, attaque, attaque, attaque. Attaque, là, parce que là, ça va être chaud quand même. Là, c'est chaud. Il reste 300 points de vie, ça sent. Bon, il reste une minute après. Tout est possible, il reste une minute. D'accord, bon. La tour tombe. Écoutez, voilà. Non, mais il reste une minute. Je pense que c'est possible de. Oh, le ballon qui va toucher la tour. Oh non, même pas. Ah, ça joue bien, ça joue bien. Bah, ça va être chaud là quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait en face? Ouais, trop chaud là. En vrai, il a des bonnes cartes. Hein. Avec mon deck, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Son deck et mon deck, les deux assemblés. Bah, après, vous allez dire, ils sont niveau 13 en face. Mais bon, on aurait pu, je pense, ouais, peut-être égaliser déjà. Allez, on refait un 2v2 parce que je sens qu'on peut gagner quand même. Donc là, c'est parti. 2v2, il y en a 3 en ligne dans le clan. Enfin, 2 du coup, parce que je suis en ligne également. S'il veut venir ou pas, non. Oui, non. Ah ben, c'est là. Attends, je te rejoins. C'est parti. Alors, donc le même deck. Non, même pas, il a changé de deck. Il a changé un petit peu son deck, je crois. Donc là, on est niveau 12. Et comment ça se fait qu'il y a une telle différence de niveau en fait? C'est pas normal qu'il y ait une telle différence de niveau sur 2v2. Je vais pas dire qu'il y a que des niveaux 12 ou 13 qui font une 2v2. Il y en a bien d'autres. N'empêche, je suis étonné parce que le clan est bien rempli là, 50. D'ailleurs, ouais, je vais leur dire de liker un petit peu la. Les vidéos, parce que si à 50 likes, ça serait plus intéressant que là d'avoir juste. J'en ai combien? J'ai 20 likes par vidéo, c'est déjà pas mal. Mais bon, si on en a 50 à chaque fois, tous ceux du clan, quoi, en fait, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Pourquoi il a mis. Pourquoi il a mis une armée de squelettes? Je comprends pas trop, en fait. Parce que là, son armée de squelettes. Ouais. Tu mets quelque chose ou pas? Non? Non? Il défend pas, il avait rien d'autre. Ouais, il avait rien. J'ai rien. Il a plus d'élixir dans le bois, j'ai pas d'élixir, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Ouh là 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 là. Non mais son deck il est trop énergivore en élixir là. Beaucoup trop. Regardez, là, il a pas du tout l'élixir, il économise pas assez, donc ça marche pas. Bon, je vais partir en ligne parce que comme ça nous fera quelques couronnes en plus. On ouvre le coffre aussi qui nous manque de coffre de récompense là. Alors, ouais, on va partir en ligne direct. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas eu de coffre autre que coffre en or ou coffre en argent, donc ça serait cool. Géant. Par la petite gargouille, d'accord. Ok, bah petit géant, d'accord. Non, là, je pense que là il a abandonné parce que c'est pas logique de lancer une boule de feu sur la tour centrale, quoi. C'est pas très très logique. Mais bon, après, peut-être que ok, bon, ça va. On va voir hein, parce que là, c'est vrai que si par exemple il met des petites troupes, ma tour du roi touche. Les troupes, donc ça peut ne pas être très intéressant. Hop. Bon, pour l'instant, écoutez, ça va. Après, les niveaux 10, il y a une différence de 2. Donc, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Je devrais monter à 5500 trophées, je crois, assez facilement, puis après, ça va se commencer. Ça commence à se corser vers 5500 par là. Alors, petit gobelin. Peut-être des gargouilles, je sais pas. Ballon. Aïe aïe aïe. Ça sert à rien ce que j'ai mis. C'est pas grave, j'ai la tour, mais bon. Presque. Ah si, j'ai le dos. J'ai mis les flèches pour rien. C'est pas grave, mais bon.
C'est nickel, il a disparu en 2 secondes le chevalier là. On met la princesse. Ah mince, j'ai perdu mes garunes en 2 secondes. Petite princesse. Et voilà, 3-0. Bon, on pourrait venir niveau 10. Mais bon, quand même 3-0. Donc voilà, là on va... 9 trophées. On va donc créer un petit coffre en argent. Oh, à venir, c'est quoi ça? C'est un... Ah, encore. 5000 trophées, bien sûr. Après, j'ai 3000 d'or, etc. Donc là, on devrait monter jusqu'à 5500, plus ou moins. Donc, je devrais vous ouvrir 4000 d'or sans jamais un coffre magique, avec un coffre géant, 50 cartes et 3000 d'or. Alors, qu'est-ce que... Ok. Bon, ben, en tout cas, voilà. Là, j'ai perdu, si je veux retenter, c'est 50 gemmes. J'ai gagné, donc, un coffre en or, 500 gemmes et un coffre en argent. Deux coffres en or, plutôt. Et 500 gemmes. Donc là, il y a le défi du méga deck qui commence dans 2 jours. Donc pourquoi pas le tenter. Et puis voilà, écoutez, là, on a ouvert. Ah non, on n'a pas ouvert là. 1000 d'or, 2 gemmes, 30 archers. Oh, légendaire. Non, pas de légendaire. Bourreau. Et 12 cabanes de barbares. Voilà. Et donc, de toute façon, au fur et à mesure, on va avoir les prochains coffres. Ça va jusqu'à 35. Oh, on a un magnifique, magnifique coffre légendaire. Un skin là aussi, pour les tours. Donc voilà, écoutez, par contre ça a 200 d'or, c'est pas mal, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre. Et puis on va augmenter quelques cartes peut-être aussi, quelques cartes là que j'ai eu, voilà, 400, ça coûte rien. Ensuite c'est des petites cartes là que j'ai eu il y a récemment, voilà, celle-là 400 d'or, 1000 d'or, ça coûte pas très cher parce que là j'ai pas beaucoup d'or, donc j'augmente les petites cartes, 1000 d'or, voilà, parfait, ça coûte pas très cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. 2000 d'or là, niveau 8, nickel. Donc voilà, ben on n'est pas encore à niveau 13, il nous manque un peu plus de 20 000 XP. 20 300 exactement. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.